Bonjour, je vais vous demander de vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour, pépinière jeune terre, madame d'Horizon Stéphanie. On vient de Sablé-sur-Sarthe. On est là depuis à peu près 8 ans. 8 ans que vous venez à chaque fois. 8e participation. Alors, quelles sont les plantes tendances cette année? Alors, on va commencer par le phormium pour le feuillage coloré et sans entretien. Comment on s'en occupe alors du coup? On plante, on arrose très peu et on enlève juste les tiges sèches. Donc pour vous, c'est le premier élément de cette... Oui, c'est ce qui plaît le plus parce que c'est sans entretien en fait. Ensuite? Les graminées. Donc ça, c'est des plantes qui ne demandent pas d'eau, pas de taille, enfin pas d'entretien pareil. Et c'est coloré toute l'année. Et ça coûte combien? Alors le phormium, c'est 15 euros et les graminées, 6,50. Un budget raisonnable? Ouais. Et dernier de votre top 3? On va choisir une plante qui fleurit au printemps. Le boule de neige qui va fleurir pendant 2 mois à peu près au printemps. Une grosse boule blanche et ça ne craint rien. Ça ne gèle pas. C'est juste une taille après la floraison, de l'arrosage et c'est tout. Et ça, c'est le champion? Oh non. Plus le phormium champion maintenant. Ouais. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans cette plante? Ah bah c'est la fleur. Ça fleurit, ça fait une jolie couleur d'automne. Puis moi, ce que j'aime bien, c'est quand ça perd son feuillage. Parce que du coup, forcément, au printemps, c'est joli. Ça reste beau toute la saison et ça a une couleur d'automne. Il faut compter combien? 10 euros. C'est raisonnable quand même. Parfait. Merci beaucoup. Bonne journée.